je farfouillais les décombres et trouvais une vieille pipe en terre avec la queue cassée. Sous une pierre, je trouvais une pièce de métal oxydée par le temps. C'était couvert de boue, mais c'était un petit rouage avec son axe. Avec fébrilité, je sentais quelque chose entre mes doigts. C'était petit, dur et noir, quelque chose que je ne m'attendais pas à trouver ici. C'était un bouchon de stylo. Je ne trouvais rien. La poignée tourna facilement et la grande roue se mit en mouvement. Bon sang, la poignée m'était restée dans la main. Maintenant que la poignée était détachée, il était facile d'enlever le rouage et l'axe. J'avais enfoncé la poignée dans la bouche du démon. Le rouage ne rentrait pas dans ce trou. Le rouage glissa habilement dans l'orbite. Dans un crissement de métal sur la roche, je plaçais le second œil dans l'orbite. Les rouages s'enclenchaient parfaitement. Ils s'étaient mis à tourner. Dès que je vis les torches vacillantes, je réalisais que ces faux templiers nous avaient devancés. Mais où étaient-ils maintenant? Et pourquoi étaient-ils si calmes? Écoute, ce sont des gens en train de prier, c'est sûr. Tu as raison, je les entends aussi. Qu'est-ce que tu crois qu'ils fabriquent? Ça ne m'étonnerait pas que ce soit une de ces messes noires pornographiques. Qu'est-ce qu'on attend pour y aller, alors? Mais regarde-moi ça, Baphomet. Lobino avait raison, cet endroit est plus ancien encore que les Templiers. Tout ça, c'est Baphomet. Enfin la vérité. Les Templiers n'avaient jamais adoré une idole, pas plus qu'un arc-en-ciel. Mais ils voyaient en l'arc-en-ciel le symbole d'un lien avec Dieu qui leur indiquerait le chemin. Rousseau, quel double jeu. Traître. Au contraire, l'inspecteur Rousseau est un modèle d'obéissance. Qualité importante chez un Templier. Maintenant taisez-vous et regardez si vous voulez rester en vie. Frères Templiers, nous sommes réunis ici pour assister à la refonte de l'épée qui fut brisée. Ici, devant la sentinelle de Dieu, Baphomet, grand maître et chevalier de Baphomet, nous vous saluons et vous jurons obéissance. Je vous salue, gardien de la voûte du temple. Cela fait 7 siècles que notre plus grande arme, l'épée de Baphomet, nous fut ravie. Maintenant, nous allons la reforger et la brandir face à nos nouveaux ennemis. Nous devons mener le peuple vers un nouvel ordre dans lequel les frontières seront abolies. Tout sera unifié sous la croix rouge des Templiers. George, vous avez été un adversaire étonnant, mais vous réalisez à présent que vous aviez été trompé par nos ennemis? Nous rêvons tous deux d'un monde meilleur. Heureusement, rien de grave n'est arrivé. Nous avons besoin d'hommes déterminés et ingénieux tels que vous. Rejoignez-nous, George. Joignez-vous à notre confrérie. Bien sûr, quelle confrérie? Frère? Et Marquet, Epigram et Klausner, ils étaient vos frères eux aussi? 3 hommes sont morts et c'est le confrérie. George, certains sacrifices sont parfois nécessaires. Tous les grands projets... Me joindre à vous? Plutôt l'enfer. Ah, George, j'avais mis beaucoup d'espoir en vous. C'est la guerre, Eklund, tue-le! Je le jure. Je voulais que tout se passe bien.
Ils ne s'échapperont pas. Bene, bene. Mais c'est ce fameux détective et son adorable assistante. Ce sera un plaisir de vous tuer tous les deux. Georges, qu'est-ce qu'on va faire? Allez, Nico, on se sauve. Idiot! Vous ne pouvez pas nous échapper, Guido! Arrête-les! Ma, maître, la poudre! Cette poudre date de la guerre civile, abruti! Elle a plus de 300 ans! Comment veux-tu qu'elle explose? Je pensais qu'on était cuit, mais Nico avait encore un tour dans sa manche. Ou plutôt dans son sac, pour être exact. Un sac à main rempli d'explosifs. Peut-être, mais ce truc est flambant neuf. Nous ne sommes pas restés longtemps en Écosse. Georges avait des vacances à rattraper et j'avais un article à écrire. Bien sûr, ce ne serait pas la véritable histoire. Mais il y aurait assez de contenu pour en faire une page et payer mon loyer du mois. Georges et moi avons passé du temps ensemble à Paris. Je lui avais fait découvrir mes restaurants préférés et il m'avait raconté ses meilleures blagues. Tu vois, Nico, j'ai tellement de souvenirs dans cette ville à présent. Les cafés, la musique. Les égouts. Ne m'en parle pas. Et le clown. Les jongleurs. Oh, et aussi ton pote Lobino. Oui, ce cher André. Quand nous nous sommes rencontrés, je menais mon enquête et puis tu as disparu un certain temps, Nico. Est-ce que toi et Lobino... Il se passait quelque chose, mais ça n'avait rien à voir avec André. Ça avait un rapport avec le passé et il fallait que je m'en occupe seul. Alors c'est ce que j'ai fait. Et maintenant, c'est terminé. Hey, je t'ai déjà raconté l'histoire de ce vieux couple d'Irlandais qui gagne à la loterie? Non, mais je suis sûre que tu vas le faire. C'est un vieux couple d'Irlandais. Ils sont mariés depuis des années, peut-être 50 ans.